Derniers exemplaires pour le guide officiel qui vous donne le prix de vos comics, la cote officielle aux États-Unis, ça sort une fois par an. C'est le Comic Book Guide to Comics. C'est Overstreet qui fait ça, il s'appelle vraiment Overstreet, il s'appelle Robert Overstreet. Et c'est le guide Overstreet avec une couverture de Tony Daniel, évidemment avec le Joker, parce que c'était l'année Joker, vous le savez, $1 milliard au box-office américain. C'est complètement fou, complètement dingue, complètement incroyable. C'est un pavé. Vous l'avez vu, il existe en deux éditions, édition en dur comme ça, édition en souple également, deux éditions pour un bouquin absolument incontournable. Je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo des deux éditions. Comment ça marche? C'est simple, vous avez une collection de comics en VO et vous vous dites, tiens, combien coûte mes comics? Bah, alors, j'ai ouvert, j'ai regardé comment ça marchait et je suis allé voir par exemple Lady Mechanica. Lady Mechanica, il y a eu plein de séries de Lady Mechanica et vous avez là, Lady Mechanica, les différentes séries, parce qu'il y a eu une succession de mini-séries, vous le savez. On va prendre la première mini-série. La première mini-série qui était sortie chez Aspen au début. Le numéro 1 aujourd'hui, alors sachant qu'il y avait plusieurs couvertures, donc le premier numéro de Lady Mechanica chez Aspen Comics, aujourd'hui est coté $10, ouais, et ça c'est super cool, il est coté $10, il vaut aujourd'hui $10. On peut prendre Astro City de Kurt Busiek. Astro City, le premier numéro d'Astro City qui date de 95, s'il est en bon état, très très bon état, il coûte $20, voilà. Tous les comics existants sont répertoriés là-dedans, les X-Men, les Batman, les Avengers, tout, vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur vos prix, vous pouvez ainsi estimer votre collection. C'est une bible, c'est une référence, c'est la 49e année que Overstreet fait ce bouquin, voilà, c'est disponible sur Original Comics. Les deux éditions, ce sont les derniers exemplaires, après il n'y en aura plus, donc si vous le voulez c'est maintenant ou jamais. Voilà, c'est un magnifique ouvrage qui on a très bien marché d'ailleurs sur originalcomics.fr. Je vous invite à cliquer si ça vous intéresse. La couverture est dantesque, elle est diabolique, c'est le Joker. Salut.